C'est le match le plus attendu de l'année, le Classico entre Barcelone et le Real Madrid. Un duel entre deux équipes aux trajectoires différentes. Le Real impérial en début de saison est dans le doute. Le Barça, lui, est redevenu irrésistible. Flashback, nous sommes le 25 octobre 2014 à Bernabéu, premier Classico de la saison. Classico dominé par le Real 3 buts à 1. Grâce à cette victoire, le Real revient sur les Catalans et va ensuite passer devant grâce à une série de 22 victoires qui va s'achever fin 2014. Le Barça, lui, va connaître quelques ratés en perdant contre le Celta et en faisant nul à Getafe. Le mot de crise va même être prononcé lors du premier match de 2015 des Catalans sur le terrain de la Real Sociedad. Luis Enrique a mis Messi, Piqué et Neymar sur le banc. Barcelone est en panne de jeu, en panne d'idées, va s'incliner 1-0, but contre son camp de Jordi Alba. La défense est en difficulté, l'attaque est absente, l'ambiance est morose. Depuis, l'horizon s'est éclairci, la défaite a servi d'électrochoc. Depuis, les Blaugrana ont remporté 17 de leurs 18 matchs, seul accroc contre Malaga il y a un mois. Le Barça a retrouvé son jeu offensif et son trio d'attaque est irrésistible. Lionel Messi a inscrit 17 buts lors des 10 derniers matchs de la Liga. Une efficacité retrouvée, des actions qui ne trompent pas, Barcelone a retrouvé son jeu et sa confiance. La confiance, elle, est un peu partie de Madrid. Éliminé de la Coupe d'Espagne par l'Atlético, le Real s'est fait détruire par son voisin madrilène 4-0 au début février. Torres, bon centre de Torres, la tête de Mario Mandzukic, 4-0. La défense prend l'eau et encaisse 2 buts dans les 20 premières minutes. L'attaque, elle est totalement hors sujet, voilà le seul tir cadré de la partie. Le Real reste sur un nul et deux défaites lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais attention, il y a quelques frémissements de renouveau contre Levante la semaine dernière. Le doublé de Bale a fait du bien, le Real n'est qu'à 1 point de son adversaire, le vainqueur aura vraiment un visage de champion.